Les Dogons sont allés encore plus loin. Dans ces paysages transportés, ils ont dégagé des espaces pour mettre en scène les temps perdus. Ici, à Kukulukomo, ils ont représenté le décor de la révélation de la parole aux premiers hommes. Derrière, le Dogon, le premier griot, scandait les paroles sur un tambour de pierre. Ce fut le premier sidi. Alors, tout est possible. L'espace et le temps n'existent plus. Dans les cavernes de Yugo, ou sur le grand livre d'images de l'auvent de Songo, on peut raconter l'histoire de la création du monde. Geze kundo pumo yigo nyayigin kwele tangobe sinjole kokoloni wamele egemele wupumo kide udimbe binen kide udimbe wo unini kide udi yagayuo kuko ingini kuko kini. Comme chaque soir, dès que le soleil aura disparu à l'horizon, les Olubarus s'entraînent à faire tourner le rhombe. Son rugissement clame la voix de l'ancêtre au moment de son sacrifice. Bien que mort, l'ancêtre sera là pour célébrer le Sigi avec toute la nouvelle génération. Depuis, tous les 60 ans, la caverne des Anumbulu rougeoie et les observatoires, Sirius et ses satellites se conjuguent. Le temps du Sigi est venu.